Bon, là, je prends une grosse cuillère qui est, vous voyez, un peu plus grande qu'une cuillère. Donc, un peu incurvée de un peu la forme du savon. Bon, Téfi a déjà fait des boules. Elle a préparé deux boules. On voit à peu près de même grandeur. Et donc, on va les mettre dedans et les presser un peu. Je rappelle que le savon est presque sec parce que les copeaux sont secs et on a rajouté quelques savons qui étaient restés dans l'eau carrément pour pouvoir humidifier les copeaux qui étaient secs. Donc, et de façon à ce que le mélange là, qui est assez compact, ne sèche pas pendant des semaines et des semaines. Voilà. Donc, le savon que je vous présente là sera sec à peu près d'ici 1 ou 2 jours. Il sera complètement sec. Donc, c'est l'avantage de ce système de mélanger les copeaux secs avec des petits morceaux de savon déjà mouillés qui vont humidifier le tout. Voilà la deuxième boule. Exactement comme avec un moule. Voilà. Donc, il est moulé. Voilà. D'un côté, après de l'autre. Voilà. Donc, là, voilà. C'est. Voilà. On l'affine un peu comme ça avec les mains. C'est un peu grossier, c'est pas vraiment lisse comme au magasin, mais on rappelle que c'est des savons de récupération et qui sont très utiles. Voilà, là on a quand même, mine de rien, on a quand même deux savons. On a quand même deux savons ils peuvent durer. Là nous sommes 5 personnes à la maison qui peuvent durer facilement 1 semaine. Voilà, fin du tuto. Et si vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez nous poser. Après, voyez, bon, ça c'est comment on appelle, des ustensiles de cuisine. Alors il y a du savon, mais bon, ça, pareil, quand on va la laver, vous lavez ça, vous n'avez pas besoin de lessive, du peck citron, quoi que ce soit. Ça va servir aussi à laver la vaisselle. Donc pas de gaspillage.